le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul. C'est le haul un peu seconde partie, parce que je vous ai déjà fait un haul action et là ça sera le haul de Stokomanie. J'y suis allée la même journée, mais je préfère vous faire deux vidéos séparées parce que j'ai acheté pas mal de choses aux deux magasins. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir mon haul action, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Bref, donc je suis allée à Stokomanie de Nîmes, qui est vraiment pas mal. J'ai trouvé de super jolies choses et surtout de très belles fringues pour Aaron. J'étais hyper contente, donc je vais vous montrer tout ça. Hop. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est des jouets. Donc je vous les montre. Ça c'est une tour, comment ils appellent ça, c'est le Lumino Phare. C'est de la marque Tommy. Et donc c'est un phare qui s'allume, qui se démonte et tout. Et l'enfant peut jouer dans l'eau. Je l'ai pris pour Noël, pour Aaron. Il coûtait juste 5 €. Donc vraiment vraiment pas cher. Toujours dans la catégorie jouets, j'ai trouvé ceci chez Stokomanie. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des figurines Yokai Watch. Donc ça c'est pareil, ça sera pour le Noël de Kayla. Ils étaient à 2,99 €, donc vraiment vraiment pas cher. Il y a une figurine et un petit jeton dans chaque kit quoi. Voilà, très très joli. Un autre jeu que je n'avais jamais vu ailleurs, alors c'est un jeu Pick Me Dora. Donc pour ceux qui connaissent ce jeu là, c'est Kayla, un jeu un peu équivalent en Monsieur Madame. Donc là vous avez toutes les figurines. Vous avez des petites cartes et en fait c'est un jeu de rapidité. Quand vous retournez la carte, vous devez attraper la figurine au bonhomme, enfin, qui correspond au bonhomme qui a le plus, enfin, qui a le plus de fois sur la carte. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est hyper sympa comme concept de jeu. Et voilà, avec Dora, moi je ne connaissais pas, j'ai vu ça chez Stokomanie. Je pense que ça doit être une ancienne collection, je sais pas. Il est à 9,99 €, donc vraiment pas cher aussi. Donc voilà, c'est tout pour les jouets. Ensuite j'ai pris un petit bouquet comme ça pour décorer à la maison, j'ai trouvé hyper joli. Alors il n'était pas donné, il coûtait quand même 4,99 €. Mais voilà, j'aimais beaucoup les couleurs, j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait déjà, en fait, pas un pot, mais une sorte de petit truc pour le poser et le mettre n'importe où. Donc voilà, très joli. On va attaquer tout ce qui est fringues, parce que j'ai trouvé mon bonheur. Et d'habitude, je regarde rarement les habits à Stokomanie, et là, je sais pas, j'ai eu la curiosité de regarder. Et je suis tombée sur une collection spéciale Renard. C'est de la marque Les Petits Cailloux, donc je ne connaissais pas cette marque-là, mais je suis tombée amoureuse de cette marque. Je vais vous montrer. Alors d'abord j'ai pris des ensembles, alors c'était vendu pièce par pièce, vous n'êtes pas obligé de prendre des ensembles, mais moi j'ai pris les ensembles. Donc vous avez le pantalon comme ça en molletonné, donc beige et gris foncé. Là vous avez un petit rappel du renard. Et là c'est la veste en fait qui va avec, donc dans les mêmes teintes de couleurs avec le petit renard, la même matière. Chaque pièce coûtait 7,99 €. Donc voilà, ça fait un très très joli ensemble. Et du coup après j'ai pris ce petit t-shirt donc pour aller avec ce petit ensemble là. Voilà. Je sais pas si vous verrez le rendu, de toute façon quand Aaron le portera je vous ferai un petit post Instagram. Comme d'habitude je vous laisserai tous les liens en barre d'infos si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux. Mais voilà, j'ai trouvé ça trop trop beau, il est magnifique. Et du coup le haut était à 4,99 €, et je sais plus, je vous l'ai dit, mais le bas et le gilet étaient à 7,99 € pièce. Ensuite j'ai pris un autre kit, pareil mais dans d'autres teintes de couleurs. Donc celui-ci est bleu marine avec un renard beige, avec la petite veste pareil bleu marine et beige avec le rappel du renard. Et j'ai pris ce petit haut donc pour aller avec. Ça va être hyper hyper joli. J'adore. Donc avec le petit gilet et un autre haut aussi que je pourrais mettre avec. Qui est comme ça. Voilà. Donc ça va lui faire des petits ensembles hyper sympas. Donc là c'est toujours le même prix. 7,99 € le pantalon et le gilet. Et 4,99 € les t-shirts. Hop. Et ensuite, dernier achat à vie pour Aaron. C'est... beige avec une tête de renard. Il l'avait en gris aussi avec le renard comme ça, et puis il y avait d'autres avec des renards d'une autre couleur, mais celui-là c'était mon préféré. Et il était à 7,99 € il me semble. Ouais, 7,99 €. Donc c'était pas donné, mais bon, ça a l'air quand même d'être des habits de qualité, en tout cas on verra. Mais j'ai eu un coup de cœur sur la collection comme je vous le dis. Donc là toutes les pièces que j'ai achetées pour Aaron, j'en ai eu pour 55 €. Et on arrive à la fin. Donc j'ai pris des coffrets en fait de cuisine, ils en font souvent à Stokomanie. Donc j'ai pris ce petit coffret là. Donc vous avez le petit livre de recettes et des emporte-pièces, donc là sur le thème de Batman. À l'heure actuelle j'en ai pas besoin, mais je me dis que voilà, quand Aaron va commencer à grandir, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il aime bien Batman, déjà que papa l'aime bien aussi. Et voilà, pour faire des gâteaux et pour faire moi les gâteaux en pâte à sucre que je fais, ça pourra m'être très utile. Même concept mais là avec Cars. Donc le livre et les emporte-pièces, donc pour faire la route, pour faire les voitures et tout ça, donc très sympa aussi. Chaque coffret était à 2,99 €, et je crois que normalement ils sont à 15 € ces coffrets là, donc c'était quand même intéressant. Et ensuite deux kits de livres de recettes,
assez gros. Ça, c'est plutôt idéal pour un joli cadeau, quelqu'un qui aime bien cuisiner, ça fait vraiment sympa. Donc là, c'est sur le thème American Dinner, donc tout ce qui est américain, les smoothies, les desserts, les brunchs, les starters et les burgers. Donc voilà, plein de livres de recettes, c'était à 2,99€. Et normalement, pareil, c'est un coffret qui coûte 15€. Et même système, mais là plutôt cuisine italienne. Hein. Vous le savez, j'ai des origines italiennes. Donc avec les piatti, les pastas, les dolci, les antipasti et la pizza. Voilà, donc des super coffrets. Un dernier truc que j'ai oublié, à Socomani, j'ai acheté ça. Donc ça, c'est pour bébé Aaron. Et Kayla aussi, elle joue avec. Donc c'est un petit plateau avec des petits cupcakes. Mais ce qui est très sympa, et ce qu'on voit pas forcément sur la boîte, j'ai jeté la boîte, mais bon. Vous pourrez le reconnaître, c'est que c'est à scratch. Du coup, c'est hyper sympa. On peut mélanger, faire des cupcakes différents. Et c'était à 1,99€. Voilà, vraiment, vraiment pas cher. Voilà, c'est tout pour mes achats à Stokomani. J'ai un peu craqué, comme vous l'aurez compris. Mais en tout cas, je me suis fait plaisir. Puis j'ai trouvé des trucs super sympas. Donc, je suis très contente. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker et à la partager. Et à vous abonner aussi si vous voulez me suivre, évidemment. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.